Bonjour et bienvenue sur HND Bébois. Cette semaine, je m'occupe de mon meuble pivotant ici pour ma raboteuse et ma ponceuse. Si vous avez raté la première vidéo, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Alors, cette semaine, ça va consister à la fabrication du tiroir. Parce qu'en effet, moi, j'ai prévu un petit rangement de tous mes accessoires qu'on retrouvera pour la ponceuse et la raboteuse. Alors, pour le tiroir qui sera juste ici en dessous. Alors, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les tiroirs. Je vais vous faire voir comment les utiliser parce que j'ai un peu amélioré les choses. Dans les commentaires, j'en ai eu pas mal sur il n'y a pas de lien, etc. J'ai fait un petit truc. Vous me direz ce que vous en pensez à la fin de cette vidéo. Allez, on prend les cotes. Bien, alors ce qu'il faut maintenant, c'est prendre la dimension là ici. Il n'y a qu'un seul tiroir. Si il y aurait ici, je prendrai la même dimension pour plusieurs tiroirs. J'ai fait trois documents. Je vous ferai voir ça juste après sur l'ordinateur. Alors, là, je vais prendre la hauteur et la largeur de l'emplacement où va se retrouver le tiroir. Donc du coup, ici, je suis à 707 mm. Et ici, je suis à 170 mm. Donc 707 et 170 de hauteur pour insérer un tiroir. Ensuite, ici, j'ai mon rail qui, lui, c'est un rail de 550. Donc la longueur du tiroir, moi, ça restera un tiroir de la longueur du rail. Donc 550 mm pour une épaisseur ici. Normalement, c'est 19 mm. C'est bien ça. Pour une épaisseur de 19 mm. 19, 550. Voilà. J'ai toutes les cotes. On se retrouve sur le PC. Je vous fais voir comment on remplit ce tableau. Allez, on va là-bas. Bien, bon, ça y est, donc voilà sur le PC. Donc ici, je vous ai préparé trois documents. Le premier, on va calculer la hauteur de la façade du tiroir. Le second, on calculera la hauteur d'un tiroir. Et enfin, le troisième, on calculera toutes les dimensions pour les débits pour fabriquer ce tiroir. Alors, tous ces documents-là, vous allez les retrouver en lien dans la description juste en dessous. Petit rappel, on clique sur le plus lorsqu'on est sur un PC ou on clique sur le petit triangle à côté du titre pour défiler la description. Donc ici, on va commencer par calculer la hauteur de la façade du tiroir. Je vous ai remis l'exemple pour le calcul ici avec un caisson, avec 4 tiroirs et l'explication. Vous retrouverez pareil dans la description toutes les vidéos en lien avec l'explication du calcul. Donc nous ici, on descend simplement, on arrive ici, on va pouvoir mettre la hauteur de notre tiroir qui fait 170 et il n'y aura qu'un seul tiroir, du coup ce qui me donne une hauteur de la façade de 166 mm. C'est mon débit en fait. La longueur, je ne l'ai pas faite parce que ça dépend si vous voulez un tiroir à recouvrement ou un tiroir encastré. Toujours pareil, mais on retirera 2 mm de chaque côté, on retirera 4 mm en tout, là, dans mon exemple. Moi, ici, je suis sur une largeur de 707, ce qui fait que moi, j'ai un débit de 703 mm. Voilà. Donc là, vous voyez, très simplement, on remplira toujours les cases vertes dans les documents. On va passer au second document. Là, maintenant, on va calculer la hauteur d'un tiroir. Pareil, vous aurez l'explication de la vidéo dans le lien dans la description juste en dessous. Donc, j'ai un exemple là de plusieurs tiroirs. Moi, ici, j'ai toujours pareil, qu'un seul tiroir. Donc, 170 mm pour un seul tiroir, ce qui me donnera ici le résultat dans le cadre orange, comme tout à l'heure, de 130 mm. Donc le 130, ce sera la hauteur de mon tiroir. Une fois que j'ai réalisé ceci,
je vais sur le dernier document, ici, où là, bien sûr, je réexplique comment effectuer tous les calculs. Vous verrez aussi dans le lien de la vidéo. Vous, ici, donc là, il y a juste une petite erreur ici sur le 860. En fait, j'ai fait une erreur de frappe, c'est 864. Bon, la correction va arriver. Je modifierai un peu ici le document. Donc, la dimension du tiroir. Normalement, ici, donc, je reprends ce que j'avais tout à l'heure. Donc, souvenez-vous, j'ai bien mes 707 mm. Je suis sur une hauteur de tiroir, d'après le calcul juste avant, de 130. Ensuite, l'épaisseur du rail, on avait dit 19 mm. À côté de ça, la profondeur, ici c'est la longueur donc de mon rail, 550 mm. Je vous ai remis l'épaisseur du panneau que vous utilisez. Moi, dans mon cas, c'est un panneau de 19. Et ensuite, la profondeur d'usinage. Moi, souvent, je reste sur du 10 de profond. Ce qui me donne ici mes débits de mes trois planches avec, pour le fond, 671 par 550, les façades de 671 par 121 et la longueur de 532 par 121. Voilà, donc deux façades, deux côtés et un fond. Bien, donc voici tous les résultats qu'on a trouvés. Je vous ai remis le petit plan juste après, comme ça on a vraiment ici notre feuille de débit qu'on peut imprimer ou recopier, comme vous le souhaitez. Petite précision quand même, faites attention à vous. Ici, si jamais dans tous les calculs ce n'est pas arrondi, n'utilisez pas le point, utilisez la virgule. Si par exemple je mets 19.5 pour 19,5, entrée, vous voyez les valeurs, elles ne sont pas bonnes. Elles sont vraiment erronées. C'est un problème avec... Ils croient que c'est une date, en fait. Donc, il vaut mieux mettre ici 19,5. Et là, les valeurs seront corrigées. Oui, moi, je reprends l'exemple ici, à 19 mm. Donc, c'est plus flagrant sur une autre feuille. Ou par exemple, ici, si je mets 170.2... Hop, vous voyez, tout de suite ici, il explique que la valeur n'est pas bonne, parce que pour lui, ce n'est pas une cote, mais autre chose. Donc, surtout, la virgule, et là, le calcul se fera. Allez, maintenant, on retourne à l'atelier pour effectuer l'ensemble des usinages. Thank you.
petite cale de 2 mm. L'astuce, double face. Bien, comme vous avez pu voir, ça y est, mon tiroir est maintenant terminé. Donc ici, j'ai une ouverture totale. Je vais pouvoir ranger tout ce qui concerne la ponceuse, les bandes et la partie ici de ma raboteuse. Ça coule super bien. Donc vous avez vu avec tous les calculs, hein, si on prend, il faut être quand même précis dans les coupes. Et sinon, vous voyez, c'est super, ça ferme super bien. Et avec la façade. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, à partager, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit pouce en l'air, ça fait super plaisir. Mais en ce moment, surtout, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.